Salut à tous, c'est Coco11 Gaming, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode sur le Let's Play, sur le nouveau compte Clash Royale. Et aujourd'hui on va faire ensemble le passage à l'arène 3, qui est à 800 trophées. Alors là je tourne cette vidéo le jour après que j'ai fait le passage à l'arène 2, parce que j'ai du temps, donc je me suis dit autant faire ça. Et au moment où je vous parle, j'ai perdu mon gros compte Clash Royale. Merci. Normalement, je devrais l'avoir retrouvé maintenant. Mais si je ne l'ai pas retrouvé, normalement, il devrait y avoir eu une vidéo spéciale. Alors là, qu'est-ce que j'ai eu comme nouvelle carte? J'ai eu les squelettes, les gargouilles, la tombstone et la tour à bombe comme nouvelle carte en un jour. Donc c'est pas mal. Et là, dans ce coffre magique, j'aimerais absolument le ballon. Le ballon, le squelette géant, mais surtout le ballon parce que vraiment, il pourrait pas mal aider. Alors, qu'est-ce qu'il y a? 41 cartes, 8 rares et une épique. Donc, ça nous fait 30... Ah ouais, mais de toute façon, il peut pas y avoir de légendaire, je suis con. Donc, il y a qu'une épique, c'est dommage. Bon, on l'ouvre tout de suite. Attention, cette carte... Oh, 3 flèches, 9 spires gobelins, 9 chevaliers, 11 minions, 3 valkyries, encore 5 rares, 5 mini PK et une épique, s'il vous plaît, le ballon et la sorcière. La sorcière, c'est pas mal. J'ai pas pensé que je l'avais pas encore débloqué, mais c'est pas mal. Dans la sorcière, vraiment, je suis content. Je suis content, la sorcière, la voilà, elle est débloquée. C'est pas mal du tout, on va se faire un nouveau petit deck avec la sorcière, bien entendu. Un géant sorcière, avec le feu à gobelin, le sort de foudre. La Valkyrie, j'hésite. Oui, la Valkyrie. Et... Ouais, je sais pas si je mets... Ouais, je peux mettre le bomber. Alors, on a toutes nos épiques qui sont mises. Là, il y a les 4 épiques. Alors, j'ai en sorcière, feu à gobelin, armée de squelettes, je garde, forcément. Valkyrie, je garde, foudre, je garde, mousquetaire, je garde. Il y a peut-être le bomber, j'hésite à le changer. Mais en même temps, il fait des dégâts de zone, donc ça peut être pas mal. Et j'ai 1, 2, ouais, j'ai que 2 trucs contre l'aérien, directement. Donc, je vais peut-être quand même mettre les minions. Oh, ouais, je vais mettre les minions. Les gargouilles à la place. Du bombardier. Alors là, voilà, j'ai ces trucs, mais ça me donnerait de l'expérience et je passerai niveau supérieur. Mais je vais me faire passer au niveau 3 dans un moment, je pense, dans assez longtemps, parce que je veux améliorer mes épiques au niveau 2 surtout, je pense plutôt. Je veux surtout favoriser les épiques, parce que le reste, je risque pas de les utiliser super longtemps. Bon, on part tout de suite en game. Le passage à l'arène 3, ça peut être maintenant. Il nous manque 3 couronnes pour le coffre à couronne. On va le faire, bien sûr. Oh putain. Oh putain, ça bug. Putain. Oh là, oh là. Oh, c'était horrible ce bug. Bon, ça va, j'ai réussi à défendre quand même. Attention, viens ici, ma petite. Merde, elle a pas tourné. Je me suis fait niquer. Oh yeah. L'armée de squelettes et le feu à gobelin, attention, Goblin Barrel. Ouh, le gars, alors là, il est expérimenté, vraiment, j'ai jamais vu une aussi belle défensive à la Valkyrie. L'armée de squelettes tout autour de la Valkyrie. Magnifique, moi, des fois, je défends la Valkyrie à l'armée de squelettes. Mais je la mets sur le côté pour qu'elle tourne. Donc, ça n'a rien à voir. Bon. Apparemment, le passage à l'arène 3 sera assez facile et on pourra même faire le coffre à couronne directement en un seul combat. On place la sorcière, on attend qu'il focus la tour, on met les minions. Ça défend bien à gauche. Bon, c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose, mais bon, on a... Merde! Bon, voilà, maintenant c'est moi qui fous une armée de squelettes sur une Valkyrie, mais j'ai pas fait exprès, je voulais mettre la mousquetaire. C'est pas ma faute, s'il vous plaît, aidez-moi pas. Merde. Bug de co, ça l'a mis trop tard. Un petit bug de co, oh, eh ben non.
Ah, il défend, il y croit encore, Baradas du clan Lanral Jinhas. On va mettre une mousquetaire en défense. Oh, la Valkyrie qui a mis quelques coups sur la tour du roi, c'est pas mal du tout tout ça. Une sorcière en défense pour défendre le mini P.K. Ah, ça fait chier, cette armée de squelettes sans faire exprès. Parce que là, je portais bien pour le 3 couronnes. Allez, il reste 99 points de vie, bien sûr. Oh, le géant qui passe. Attention, le fût à gobelin. Putain, j'avais oublié qu'il avait cette merde. Bon, j'ai oublié de défendre là. J'ai oublié de défendre à droite. Mais c'est pas grave. Bon, ça va, ça passe. Ça passe crème. Il lance son mini P.K. Je m'en bats les couilles, je le défends. On va tout de suite finir la tour. Pour être sûr d'avoir au moins deux couronnes. Bon, là, je fais des erreurs de merde. Hein, c'est vrai. Mais bon. De toute façon, c'est pas grave. Hein, je peux faire des erreurs. À ce niveau, ils sont pas super cool. Oh non, il m'a pris la tour. Quel dommage. En fait, en arène légendaire, je le défends même pas. Le bébé dragon. Mais là, faudrait le défendre parce qu'on n'a pas beaucoup de points de vie sur les tours. Mais ça, j'y pense pas. Du coup, bah, je me fais tout le temps niquer par le bébé dragon. Mais j'arrive quand même à gagner au final. Alors qu'on s'en branle. Et attention, le passage à l'arène 3. Je devrais avoir un plus 30. Ouais, je pensais plus 33 en tout cas. Attention. Oh, et oui. Oh, c'est magnifique. Le passage à l'arène 3 avec notamment l'arc X. Que j'aimerais fortement débloquer. Ça pourrait être pas mal du tout. Et attention, on a un nouveau shop. Et c'est bien. Ils me disent que j'ai un nouveau shop. Mais j'ai aucune carte de l'arène 3. Ça sert à quoi en fait? J'ai pas compris. Bon, on va se faire le coffre à couronne. Donc un combat devrait suffire. Je le mettrai peut-être en accéléré. Je sais pas encore. Et après, on va pouvoir arrêter la vidéo et on se retrouvera pour le passage à l'arène 4. Je vais faire plus de vidéos sur ce petit compte, plus dans les montées, quand je serai plus haut en trophée et que je tomberai contre des gens plus forts aussi. Je pense à partir de l'arène 6 ou 7, je vais faire plus de trucs. Je pense que je vais passer niveau 3 à l'arène... Ouais, je vais passer niveau 2 quand je serai à l'arène 7, peut-être. Puis niveau 3 après. Ah, et bien nous tombons contre quelqu'un qui ne joue pas. Ah, quel dommage. Ça fera un petit 3-0 des familles. Oh, les gobelins qui tapent là. Oh, ça fait mal. Oh là là. Et c'est la victoire 3-0. Le gars était à 799 trophées. Était-il en arène 3, je ne sais pas. Et plus 29 trophées. Et... ouais, il n'a pas de coffre. Ah bah en fait, J'ai encore un coffre à couronne de livre. Oh, attention, 264 euros. Deuxième, on espère débloquer de nouvelles cartes. 3 tours à bombe. 27 chevaliers. Attention, peut-être une épique. Yes! Oui! Le giant skelet qui est débloqué. Le squelette géant, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Deux nouvelles épiques de débloquer dans cette vidéo. C'est vraiment bien. J'apprécie. Et on va bientôt pouvoir se faire un deck full épique. Il manque encore 3 épiques et on pourra se faire un deck full épique. C'est pas mal du tout. Alors là, je vais me faire un petit deck. Du coup, je sais pas si on va peut-être se tester le squelette géant. Ça peut être marrant. Ouais, allez, on se fait encore un petit combat où on teste le squelette géant. On peut mettre les minions ici. Et là, c'est bon. Bon, là je fais ça parce que j'ai plein d'épiques, puis c'est bien de mettre les épiques quand on est niveau 1, mais sinon je vous conseille pas de faire des decks aussi chers en si bas trophée. Des decks comme ça, ça va depuis 2000, peut-être un peu plus loin que 2000 trophées. 2300 trophées, vous pouvez faire des decks à plus de 4. À plus de 4,1, mais avant c'est pas terrible. Oh, nous tombons contre un niveau 5 nommé Killer. Là, il est content, il se dit qu'il va me défoncer, mais ne vous inquiétez pas, je vais me défendre. Non mais, regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Le chevalier niveau 6, non, le pire, c'était en arène 1, c'était, je crois, non, c'était arène 1 ou 2. Je sais plus, c'était en arène 1 ou 2, je sais plus. Je suis tombé contre un niveau 6, j'étais choqué, déçu.
Giant Skelet. Ah non, quel dommage. Oh, ça fait mal le géant squelette. Je pensais pas qu'il ferait aussi autant de dégâts. Oh, attention, le feu à gobelin. Oui, oui, le géant squelette qui arrive sur la tour et je prends la tour. Je prends déjà la tour, ça fait plaisir. Attention, peut-être un rage kit en face. Ce ne serait pas étonnant. Oh, un bon joueur. Ce ne serait pas étonnant qu'il rage kit. Attention, on va voir ce que ça fait. Un ballon niveau 2 hein, quand même. Ah ouais, mais c'est nul à chier. C'est complètement nul à chier. Oh putain, il a presque pu mettre deux coups le ballon là. C'était pas terrible là la défense. J'aurais dû mettre la Valkyrie ou la sorcière pour aider. Mais je me suis dit que ça irait quand même. Je me suis dit ouais, ça devrait aller. Il devrait pas mettre peut-être la bombe, mais sinon pas de coup. Allez, le squelette géant. Bon, je peux pas le mettre là, je le mets ici. Allez, le squelette géant qui part. Il va arriver à la tour. Et oui, et ça fait déjà 2-0. Ça fait déjà 2-0 et il n'explose même pas alors que la tour est encore vivante. Regardez, il va défoncer le chevalier. Le prince, pardon. Ça fait plaisir. Donc là, je vais m'en foudre, il me sert à rien. Hein. J'utilise jamais. Attention, c'est parti. Que se passe-t-il? Oh, que se passe-t-il? Mais il est où? Où est cet adversaire? Il est niveau 5, mais il ne fait rien. Il est nul à chier. Et c'est le 3-0. 3 couronnes à 0. Ça fait plaisir. Et attention, plus 29 trophées. C'est pas tété tout ça. C'est pas tété. C'est pas tété. Allez, 5 couronnes pour le coffre à couronne. Bon, ça va être tout pour cette vidéo. Donc, je pense que j'aurai un coffre géant dans le comme prochain gros coffre. Je devrais l'avoir en arène 4 ou 5. Et là, à partir de l'arène 4, ça va commencer à devenir intéressant parce qu'on pourra débloquer des légendaires. Et ça, ça fait plaisir. Bon, c'est clair qu'en arène 4, c'est pas les meilleurs. Molos, moi, je suis pas vraiment fan. Et puis, Dragon de l'Enfer, c'est pas... Personne n'est vraiment fan. Ça, j'aime pas. Sortie de glace, j'aime pas trop. Cimetière, j'aime bien. Bon, ce sera à partir de l'arène 5. J'aimerais bien voir le cimetière. Ça pourrait être pas mal. Bon. J'espère que ça vous aura plu, ce troisième épisode sur le Let's Play, le passage à l'arène 3. Avec... des jolis combats, 2-3-0 à 2-1, et vous voyez que je ne perds pas sur ce petit compte. La dernière fois que j'ai perdu, c'était contre le niveau 6 ici. Voilà. Ah non, il est passé niveau 7. Il est passé niveau 7 depuis. Et il est remonté. Bon, je sais même plus quand c'était ça, 470, ouais, c'était arène 2 quand même. Mais sinon, je gagne presque tout. Là, il y a encore une défaite. La dernière, celui-là, c'était un gars, il avait des troupes assez hautes, je me souviens. Mais là, il n'a pas beaucoup joué depuis. Bon, voilà. Je ne savais plus quoi dire. Du coup, j'ai parlé un peu dans le vide. Mais n'hésite pas à liker, commenter, partager si ça t'a plu. C'était Coco11 Gaming. Ciao. These are the rules of the duel. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas le like qui fait plaisir. Commente, partage et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Ciao. Bye. Peace. À la rivalité.